Alors, c'est parti, nouvelle vidéo sur l'animation en CSS. Donc, je vais vous montrer ça, c'est déjà écrit ça en avance. Ça, nous allons animer. Je vous montre le code. Ici, j'ai le div là simplement. Voilà, j'ai un div ici qui a pour classe ABS. Et c'est la classe là que j'ai renommée ici. Et j'ai pris la classe et j'ai donné les propriétés. Voilà, donc on n'a pas grand chose. Alors, pour animer, on utilise la propriété animation. Animation. Donc, ici, on va donner le nom de l'animation Movid. Je donne la nombre de secondes, je vais dire 8 secondes et je vais dire la bande va s'animer. De façon, moi je veux que ça soit de façon infinie. Infinie. Donc infinie, j'enregistre et je viens en bas. Je vais trouver maintenant keyframe. Alors keyframe, tu as où? Keyframes, voilà. Et je mets movid. Maintenant je viens animer le movid. Donc movid, je vais le dire déjà à 0%. Je vais dire ce qu'il va faire. À 0%, il va dire ce qu'il va faire. À 50%, le nombre de pourcents que vous voulez, vous graduez votre. Ici, je mets à 20% d'abord. À 50%, ce qu'il va faire. Et je peux mettre ici aussi à 90 et à 100. Donc, je. Attention. Donc, je viens ici à 100. Mettre ici et enregistre. Je vais dire ici, je vais changer les couleurs simplement. Je vais changer les couleurs simplement. Donc, ici, je vais dire background. Background, je mets. Ok, il n'y a pas de problème. Je mets ce qui était là avant. Maintenant, ici, le background, je dois mettre sky blue. Voilà. Je mets background ici. Je dois mettre. Je vais mettre. Ouais, je vais mettre lui. Ici, le background. Je vais mettre background. Je vais mettre dark green. Et enfin, à 100%, background. Je vais mettre background. Background. Oui. Je vais mettre yellow. Green yellow. Voilà. Donc, ici, on pourrait faire d'autres choses encore. Donc, changer les propriétés, la longueur et autant. On pourrait faire ça aussi. Donc, on pourrait changer ici. Par exemple. Et à 50%, on peut dire que son top doit être, oui, le top doit être à 1 pixel, j'enregistre. Donc ça va marcher toujours. Regardez. Et à 50%, ouais, non, ça vient encore en bas. Bon, ouais. Et ça va retourner, après ça va retourner et tout. Donc c'est comme ça qu'on anime en CSS. Mais ça, on va utiliser maintenant pour faire notre projet rapidement. Donc si vous avez compris, c'est très bien. Donc je viens d'abord. Je vais vous montrer ce que donc, vous voyez comment ça anime d'abord. Regardez. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est ça. Regardez correctement. Oui. Il va pour l'attraper, il est il va là-bas. Il va pour l'attraper, il est il va là-bas. Il est il va là-bas. Il est il va là-bas. Donc, ce que nous allons faire, alors c'est parti. Pour cela, je vais à l'intérieur ici. Et je vais créer deux divs. Alors, à l'intérieur, je crée les deux divs. Et je mets ici B1 et ici B2. J'enregistre, je mets une image à l'intérieur, une image à l'intérieur, j'enregistre et je vais être ici, c'est, je vais mettre d'abord Toriko.png et en bas, j'ai besoin de ça aussi en bas, mais c'est pas Toriko toujours, ça serait Naruto maintenant, Naruto. Naruto.jpg. Donc on vient maintenant, tout doit faire partie, il doit faire partie maintenant lui, il doit faire partie notre la propriété, les propriétés qui sont déjà au niveau de celui-ci. Donc background, j'enlève le background là, l'animation là, je dois enlever ça d'abord aussi, no problème. Et la largeur, je vais mettre ça, je vais dire ça occupe toute la page de l'utilisateur. Donc, virtuel, voilà, j'enregistre. Et ici, la largeur, je prends 100%. Voilà, j'enregistre. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant, je viens à l'intérieur de celui-ci, je vais le display flex. Je mets display. Display flex. J'enregistre, attention. Display flex. C'est bon. Justify content, justify content, je vais dire espace between. J'enregistre et je viens
Ouais, ça c'est 4 comme ça. Donc, pour rapport à notre paysage, ici je vais mettre l'URL background. Au niveau de l'URL, je mets py1.jpj. Et si on regarde, c'est pas se répéter, je vois. Et ça se répète. Après, se répète. On va utiliser background, background size. Background size, ça ici, je mets ça à couvert. Et je pense que le tout serait réglé. Donc on est là maintenant, on a à animer chacun d'entre eux. Donc je prends, je vais rapidement. Ici je vais mettre Naruto. Donc Naruto. Naruto. Donc je mets là. Maintenant, je vais dupliquer celui-ci rapidement. Donc ici, j'enlève. Pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Donc ici je mets un, rapidement je mets un là, et ici je mets deux. J'enregistre maintenant à l'intérieur ici. Je dis animations, je mets ça, je dis c'est Naruto. Naruto, donc c'est Toriko ça. Toriko, 8 secondes et de façon infinie. Voilà, infini. Donc je prends la même chose ici, je mets ça en bas aussi, mais je change le nom de l'animation. Ça serait, voilà, ça serait pour Naruto maintenant. Donc Naruto. Donc comme c'est lui qui importe plus, donc c'est lui que nous allons animer. Et on n'a pas besoin du background, donc je vais enlever ceci rapidement. Ça ne gêne pas. Donc on enregistre, c'est bon. Maintenant quand je prends, j'enregistre, je copie plutôt, je mets ça à 5%, n'a pas problème, à 15, n'a pas problème, à 15, on a là, on est là, à 30, à 30, à 30, à 60, à 60, et ici à, je vais mettre 90, et 100. Donc j'enregistre à 100, je veux qu'il soit à l'F, donc à 100 lui je vais enregistrer là, vous allez voir. Donc à 100 je veux qu'il revienne ici, mais pas problème. Donc je peux laisser comme ça à 100, à 100. Bon, je vais mettre left, je vais mettre left. Bon, c'est du right qui va quitter, donc right, je vais mettre 8 50 pixels, j'enregistre. Et top à 12 ou 20 pixels, pas de problème. Maintenant, je vais commencer par diminuer au fur et à mesure. Maintenant, ici, la même chose, hein. C'est la couleur qui va être découlée à chaque fois. Maintenant, je vais diminuer au fur et à mesure les règles, là, c'est tout. Et ici, je mets ça à 80, 800 plutôt, top toujours, il n'y a pas de problème. Maintenant il faut qu'il s'y, il faut qu'ici il doit, bon ici là il doit venir en bas, donc le top doit venir plus en bas. Bon, c'est pas mal là, c'est en haut, je vais faire en sorte qu'il vienne en bas. Donc je viens d'ici, je vais dire que ça vienne en bas, j'enregistre comme ça, on va voir ce que ça va faire. Voilà. Donc au début, j'ai le top du début qui n'est pas bon, donc on va changer le début. Le début ici, il n'y a rien au début. Au début on va le dire au début. Donc au début, le règle là, on va le mettre à 50. Le top, il n'y a pas de problème. Ici on le met à 100. Il n'y a pas de problème là aussi. Bon, on peut venir un peu en bas. On peut venir un peu en bas. À 15. Il vient aussi. À 150. Mais non. À 150. Et ici. Peut-être à 250.
top là, on peut venir en bas. 50 là, ça ne serait pas super. Vous voyez. Il vient et il ressort. Donc le son, la façon dont il ressort là, c'est pas du tout bon ici. La façon dont il ressort ici là. Et on a dit à 150 ici, donc il pourrait aller à 800. Je fais CTRL Z. 1000, voilà. Et ici, pourquoi pas à 1010. À 1010, j'enregistre. C'est moi, voilà. Il vient en bas. Et il répète là, voilà. C'est bien. Donc ici, je peux mettre 1020. Et il ressort là-bas. C'est pas grave. C'est bien comme ça, c'est pas mal. Donc, on a déjà fait quelque chose de bon. Ce qu'on a fait maintenant, c'est on prend la même propriété et tout. Hein. Maintenant, lui, pas besoin de lui gêner trop. Attention. CTRL Z et on résiste CTRL S. Donc ici on prend toujours la même propriété. Je vais le faire pour lui aussi, mais lui je vais prendre à juste 50%. Voilà. Donc ici on n'a pas besoin de ça. C'est 50% ici, ça nous va déjà. Donc à 50%, ici left, on va le mettre. Left, on le met à 50 pixels, top, my problem. À celui-ci, left, pas mal aussi. Donc CTRL-Z. Maintenant, à 100% de l'animation. Il va falloir que ici, quand lui va vouloir venir en bas, c'est-à-dire lui vient en bas ici, vous voyez, top là, c'est ici. Donc il va mettre à 60 pour lui. Il va mettre un 60 pour lui. Donc à 60 pour lui là, il va lui dire que left là, il faut qu'il aille. Ici, il faut qu'il aille à 80. Voilà. Et top là, non, on n'a pas besoin de top là, toujours bon. 220, parce que ça c'est 120 plutôt, ouais, ça serait bon. Voilà pourquoi ça ne marche pas, ça a le propriété. Ici on va devoir mettre Torico, voilà, et Torico qui est là, Torico, je continue, regardez, attention, ça ne marche pas, les deux se croisent. À 100%, il doit rester. À 100%, non. À 100%, il doit rester à left. Si c'est possible, même left. Left, ça. Voilà. Comme ça. Donc, il faut que lui, il fasse son pas d'abord. Alors, il faut que lui fasse son pas d'abord. Donc, pour cela. Faut que lui soit là. On mettre ça à 70. C'est bon. Il va enlever mon main lui. Oui, on met lui à 110. Et left là, on peut mettre ça déjà à 80. 80 à 850. Voilà, ça c'est encore plus esquivant. C'est plus esquivant. On peut mettre ça à, ici on va mettre ça à 80, voilà. Ici 900 et on a ça, vous voyez, lui il esquive. Donc si on peut, il va d'abord le left qui est arrivé à trouver, je mets ça à 120, bon. Voilà. Lui, il esquive, vous voyez. Et il sort là-bas. Donc, c'est pas mal. Il esquive encore. Et il sort là-bas.
ça. Ouais. Mais ce qui